samboya bae batila yo motema bae basuwa moka no butuna moi potale la seyo bae baso solete elikana moto ezali se pamba zima lo sambo na biso tofandi na lilo baneti na kweto mani na ibamba bambula ata mipepe na kwango ekobukana te la source de notre joie. Ma kweina ma kolona yo, isi kangolu ezali. La pandina ma kolona yo, mekinde bomo inangai. Na sopina ma kolona yo, malasinde lo sambo nanga. Hey Yesu we, na pangusi ma kolona yo, na suki ya moto nanga. Kolona mikitisie. Bonsoir, je suis très heureuse, disons ce soir ou bien cette nuit, d'arriver à Tel Aviv, qui est la capitale économique d'Israël. C'est la première fois que j'arrive à la Terre Sainte et ma première impression est vraiment la bonne, parce que je sens que je suis dans le milieu où notre Seigneur Jésus-Christ a prêché, a guéri les malades, a ressuscité les morts. Et vous allez ressentir qu'il y a une onction tout à fait particulière. Donc je sens vraiment l'attraction de l'esprit, de l'onction de Dieu. Donc j'ose espérer que mon séjour en Israël sera vraiment le meilleur et cela va m'apporter un plus dans mon ministère et par rapport à ma vie personnelle. Je m'appelle Rogatien Kapema. J'ai plusieurs manteaux. Disons que dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, j'exerce le ministère de pasteur et de prophétesse. Cela fait plusieurs années de cela. Donc disons plus de maintenant d'une décennie. J'arrive vers ma deuxième décennie dans le ministère. Et à part cela, je suis aussi journaliste de formation et de fonction. Donc j'exerce en tant que journaliste un peu partout. Je fais des éléments vétères, non seulement dans le cadre des églises, mais aussi dans le cadre culturel, politique et social. Et donc je suis arrivée à Tel Aviv. J'ose espérer que j'irai dans d'autres villes telles que Jérusalem pour prendre un aperçu par rapport à la vie, au vécu, non seulement des chrétiens, mais de la population, des frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sang et dans la foi. Donc, vraiment, franchement, l'unique rabbin noir que nous avons, en la personne du bishop Tosh Mulenga, qui est venu me prendre avec lui. Je vais décortiquer certaines vérités par rapport à la Bible, parce que c'est une personne qui, au point de vue exégèse, l'histoire de l'Église, l'Ancien Testament, il a des cordes de façon extraordinaire. Et j'ose espérer qu'avec lui, je vais faire plusieurs émissions dont nous allons aller voir les sites bibliques et nous allons vous parler des réalités de la Terre Sainte. Merci à vous. Je tenais aussi à vous parler, je crois que vous avez entendu parler d'un événement assez éminent dans le site des anciennes ruines du temple qui avait, disons, une image qui est sortie, qui avait la forme de la RDC, donc la République démocratique du Congo. Donc je suis vraiment spécialement pour voir la véracité de cela. Donc nous irons là-bas avec le rabbin noir, le bishop Tosh, et je vais essayer un peu de décortiquer les lieux, de voir et de vraiment de sentir cette chose extraordinaire que l'Éternel a permis que la carte de la République démocratique du Congo puisse sortir d'un lieu aussi sacré, d'un lieu rempli de spiritualité.
spiritualité, d'un lieu rempli d'histoire, d'un lieu rempli de puissance. Donc avec vous, nous aurons l'opportunité de voir à travers les éléments vétères la carte de la République démocratique du Congo qui est sortie en ce lieu-là précis. Franchement, depuis mon arrivée, je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai vraiment eu l'opportunité de beaucoup voyager, je voyage beaucoup, donc j'ai eu à visiter plusieurs continents et plusieurs pays, mais laissez-moi vous dire que depuis que je suis arrivée, il y a une atmosphère tout à fait différente ici, donc vous sentez la présence, l'onction, mine de rien, ce pays est un pays béni, et j'ai la conviction que les Juifs sont vraiment des personnes qui sont bénies par Dieu. C'est vraiment la nation de Dieu et c'est un peuple béni par l'Éternel parce que vous allez sentir à l'atmosphère tout à fait... Je ne sais pas comment expliquer parce que ce sont des choses surnaturelles. C'est vraiment le spirituel. C'est une question de connection comme on dit en anglais. Donc je ne sais pas comment vous expliquer et comment vous le dire, mais... Dans les jours qui viendront, peut-être je vais essayer de mieux vous expliquer les sentiments que j'ai, mais franchement, je suis émue et je sens monter en dimension et en puissance. Tu es la source de notre joie. 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 Kolo pasola likolo kita na nkembo. Tu es la source de notre joie. Yondo yano la kangai ponga na mona esengo. Tu es la source de notre joie. L'auteur de mon salut, la source du vrai bonheur. Tu es la source de notre joie. L'acteur de ma paix, mon rédempteur glorieux. Tu es la source de notre joie. Seigneur, tu nous exauces. Tu es la source de notre joie. Que nous ayons la joie qui vient du Saint-Esprit. Tu es la source de notre joie. Hey, tu es la source de notre joie.